Salut à toutes et à tous, c'est Aerosmith. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Assetto Corsa cette fois. Pourquoi Assetto Corsa? Vous allez me dire, ouais, Assetto Corsa c'est un jeu PC. Oui, je sais, c'est un jeu PC. Oui, je sais. Mais, il y a une bonne raison à cela pourquoi je joue à un jeu PC. C'est parce que j'ai changé ma config. Et oui, parce que vous avez certainement dû le voir dans le titre de la vidéo que j'ai changé de config. Enfin, si vous êtes pas si con que ça. Hein. Enfin. Je doute que vous soyez con, en tout cas mes abonnés sont tous plus intelligents les uns que les autres. Moi je n'en doute pas. Donc voilà. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale pour vous parler de ma config, de la chaîne, de ce qui va arriver sur la chaîne, de ce qui va aussi ne plus arriver ou ne pas arriver. Enfin bon, tout ça, vous parlez de quelques projets, vous parlez de quelques trucs. Donc voilà, tout ça en faisant du drag racing, parce que le drift, j'ai essayé au volant, enfin j'ai pas essayé au volant, mais la manette c'est juste la merde. Donc voilà, je préfère le faire avec... Oh ouais, on va le faire en Fiat 500. On va faire du drag racing en Fiat 500 les amis, sur du 1000 mètres, voilà, pas sur du 400 mètres parce que c'est trop facile, c'est pour les PD. Non, je déconne. Donc allez, c'est parti, départ. Donc on va commencer par ordre. On va tout d'abord parler de la config parce que c'est le plus gros, enfin c'est le sujet principal de la vidéo. Tout va tourner autour du PC de toute façon. Donc ce PC, je ne dirai pas le prix déjà, tout simplement parce que c'est pas un PC que j'ai acheté en magasin, mais un PC que j'ai fait monter. Et d'autant plus que je n'aime pas donner le prix des choses que j'achète, sauf si c'est un jeu où là je m'en fous, mais là c'est un gros truc. Oh, j'adore le bruit. Écoutez-moi ça. Allez. Oh putain, on a mis longtemps avant de réagir. Bon. Ah oui. Ah oui, contre une Ferrari. Ah oui, d'accord. Ah bah oui. D'accord, j'avais pas compris. Toi, tu vois la chose comme ça. Bah ok, on va prendre une voiture un peu plus grosse. Bon. Comme je vous disais, c'est un PC que j'ai fait monter, donc ce n'est pas un truc que j'ai acheté en grande surface, c'est un truc complètement professionnel. Donc passons directement aux composants, ce qu'il y a dedans, ce qu'il faut savoir et tout. Donc c'est un PC assez performant qui avec lequel je vais pouvoir faire à peu près tout tourner plus ou moins en ultra. Il est très puissant, donc je vais vous dire les composants tout de suite. Il est doté d'une Nvidia 962 Go. MSI bien entendu, un processeur Intel Core i5 3,2 GHz, un refroidissement à water cooling, donc un refroidissement à eau pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Il a quoi d'autre, 8 Go de RAM, un SSD de 120 Go et un disque dur de combien déjà de 1 Tera. Donc voilà, j'ai des composants pas mal qui vont permettre de tourner des vidéos beaucoup mieux, enfin des vidéos de... Oh ouais, on va prendre la KTM Crossbow, on va l'enculer avec ça, donc sur le 1000 mètres, et on va choisir contre contre une GTR. Allez, départ. Donc voilà. Et je pense qu'avec ce PC ça va me permettre d'aller beaucoup plus loin qu'avec le précédent, et d'autant plus qu'avec ça je vais pouvoir vous faire des vidéos enfin sur PC, sur Assetto Corsa, sur Drift Street Japan, GTA 5 avec des mods bien entendu, même si j'ai eu quelques difficultés avec des mods sur GTA 5. Je ne vous fais pas cette vidéo sur GTA 5 parce que j'ai dû réinstaller. Oups. Hop, voilà, je fais tomber un truc. Ça va me permettre de pouvoir vous faire des vidéos sur des jeux sur PC et tout ça. Et j'espère surtout que vous allez me conseiller des jeux, parce que moi j'en connais pas énormément des jeux sur PC. Je pense que vous en connaissez certainement plus que moi, donc j'espère franchement que vous allez me donner des jeux. Pourquoi pas même des idées. Oh, le bâtard avec la Ferrari. Ouais, il m'a niqué. Bon. Ouais, je me suis fait complètement... Bon, attendez, on va se prendre une autre voiture parce que ça ne va pas. Tout ça, ça ne va pas. Oh mon dieu.
Donc voilà, des vidéos. En parlant des vidéos, déjà, je m'excuse qu'elle sorte tard cette vidéo. Et je m'excuse aussi de l'absence des vidéos de la semaine dernière, de cette semaine. C'est tout simplement parce que en fait, mon ancien ordi était chez le mec chez qui j'ai fait monter mon ordi pour qu'il puisse récupérer quelques composants. Enfin voilà. Mais on va pas y aller en R8 parce que sinon on va l'humilier. Bah allez, on va y aller en AC Cobra. Hop. Quand... Non, hop. C'est pas ça que je voulais faire. Bon allez, hein, écoutez, départ. Et puis c'est parti. Donc j'ai pas pu faire de montage, j'ai rien pu faire, ça a été assez galère. Mais finalement, ça valait le coup étant donné que j'ai une meilleure config et que maintenant je peux faire tourner des très très gros jeux. Du moins je l'espère. Oh non, pourquoi il a passé un rapport? Ah oui, par contre j'ai un gros bug là. Faut que je voie dans les paramètres, je verrai ça plus tard. C'est qu'en fait ça passe les vitesses tout seul, donc c'est assez chiant. Donc allez. Bon, et puis donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Ah oui, concernant encore les vidéos, maintenant je vais essayer de faire beaucoup de vidéos en compagnie de mon ami Salix, que vous avez certainement dû voir si vous êtes un ancien de la chaîne. Vous le connaissez sûrement, c'est un ami avec qui je n'ai plus fait de vidéo depuis longtemps, et en tout cas je compte en faire avec lui vu que j'ai ce PC. Et aussi également des vidéos avec mon ami Rocket Pony sur Assetto Corsa, The Crew ou quoi, parce que je vais également prendre The Crew sur PC pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, hop, on va lui remettre encore sa misère. Hop. Et donc ça va me permettre de faire plus de vidéos, des vidéos de meilleure qualité, pourquoi pas faire du 1080, du 1080 60 fps. Hop. Ouais, donc comme je disais, pourquoi pas faire du 1080 60 fps. En tout cas j'espère que je vais pouvoir. Mais il n'y a pas de raison que je ne puisse pas. Ah oui, aussi également, n'hésitez pas dans les commentaires à me conseiller des jeux que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne, et des personnes que vous souhaiteriez aussi voir sur la chaîne, pourquoi pas. Aussi, je vais en profiter, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre Skype si vous souhaitez jouer avec moi, ou si vous souhaitez simplement parler avec moi pour poser des questions ou quoi que ce soit. Je n'hésiterai pas à vous répondre, même avec grand plaisir. Et donc voilà. Bon, et bien je pense que ça sera tout pour cette vidéo. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, moi, je suis content de pouvoir... Oh non, t'es sérieux? Attends, on va refaire la course. En tout cas, moi, je suis content de pouvoir enfin refaire des vidéos sur PC, ça m'avait vraiment manqué. Et j'espère vraiment que grâce à ce PC, ça va nous emmener vachement loin pour faire progresser la chaîne YouTube et pourquoi pas atteindre les 1000 abonnés, puisque j'ai envie de dire que c'est l'objectif de ma chaîne pour cette année. Donc voilà. Bon, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça ferait extrêmement plaisir. En tout cas, moi, je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur PC. Allez, à la prochaine.